On y va pour l'école. Eh ben, il fait super froid. C'est parti pour les petites créations de 2021. On attaque aujourd'hui. Donc je vais d'abord rectifier un petit souci sur une écharpe qui a eu du thermocollant qui s'est abîmé. Donc je vais le rectifier en peinture acrylique. Je rectifie le motif, c'est un motif avec... je crois que c'est une orque, on va regarder ça juste après. Et ensuite, je vais attaquer la créa de 2021. Et je vais commencer par une horloge en gravure sur bois, un peu ethnique, un peu bohème, comme d'hab. Allez, c'est parti. L'écharpe est finie, donc je vais pouvoir attaquer ma première créa de 2021, mon horloge en gravure sur bois. Voilà, j'ai trop hâte, j'y pense depuis un petit moment et ça fait longtemps que je veux me faire une horloge. Un coup je voulais la faire en peinture, après en gravure et après j'ai fait autre chose et puis voilà. Donc maintenant je vais attaquer donc mon horloge, donc ça sera la première fois que je fais une horloge. Mais il est prévu d'en mettre forcément dans la boutique dans quelques temps. Donc je vais faire déjà la première et puis après on verra. C'est parti. Anywhere you go, give it all.
On est le vendredi 8 janvier et je te retrouve dans l'atelier. Hier, comme tu l'as vu, j'ai attaqué ma pyrogravure, mon horloge. Donc j'en étais là. C'est mieux. Donc j'ai pyrogravé tous les contours des continents. Donc je vais continuer aujourd'hui. Et puis j'ai fini hier en dessinant donc les mandalas. Donc je vais continuer petit à petit, j'espère le finir aujourd'hui. Sinon, ben, c'est pas très grave. Hein. On fait tranquillement, se stresse pas. Allez, c'est parti. Je reviens dans l'atelier après un bon week-end tranquille, famille. Je rattaque la semaine tranquillement. Je vais essayer de finir ma gravure sur bois que j'ai commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais graver donc tous les chiffres de l'horloge. Et puis après, on verra. Parce que ça prend beaucoup de temps. C'est très long quand on grave à la main. Et voilà, j'adore ça, donc c'est parti, je prends mon temps, voilà, j'adore, c'est ce que je voulais dire, voilà. Vu que j'adore ça, je prends mon temps. Allez, c'est parti.
Aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 janvier, à nouveau dans l'atelier, à nouveau au même endroit, à nouveau en train de faire la même chose. Je continue de graver mon horloge. Et puis voilà. Ça me fera toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et voilà, maintenant on passe carrément à autre chose. On va se lancer dans une nouvelle série de bijoux. Donc ça fait un petit moment. J'ai besoin de faire des nouveaux bijoux pour mes dépôts ventes, tout simplement. Donc j'ai deux dépôts ventes sur lesquels je n'ai... C'est un petit moment que j'ai pas changé la collection des bijoux avec les confinements et tout, c'est super compliqué. Bon, sachant que donc nous sommes le jeudi 14 janvier et ce soir on a notre cher Premier ministre qui va nous dire je ne sais quoi. Donc bon, a priori c'est couvre-feu pour 18h, mais voilà, j'en sais rien pour l'instant. Donc voilà, donc je vais me lancer sur cette nouvelle collection. De toute façon, il m'en faut donc pour les dépôts vendus, il m'en faut aussi pour moi. Donc de toute façon, tout ce que je vais faire maintenant, je verrai après comment je les dispatche. Et puis voilà, c'est ça qui diffère, parce que de toute façon, dans tous les cas, au pire, elle se retrouve sur ma boutique en ligne à moi. Ou alors accessible si les gens veulent venir à l'atelier aussi, c'est toujours possible. Tant que c'est possible. Hein. Donc on verra tout ça. Donc maintenant, je les fais et puis après, peu importe où ils iront. C'est parti! Me voici sur ma deuxième table, ma table en bois. Donc c'est une table qu'on avait dans la maison et que j'ai rapatriée dans mon atelier il y a quelques temps. Il y a pas longtemps, mais il y a quelques mois, on va dire. Je l'ai reponcée, je l'ai revernie, elle est super belle maintenant. Et surtout, elle a des très grands tiroirs. Le genre de, vous savez, les tables de cuisine qu'il y avait il y a quelques...
de très longues années, de quelques dizaines d'années, que nos grands-parents avaient dans leur cuisine, parce que de toute façon c'est la table de cuisine de la maison des grands-parents de mon mari. Du coup, vous savez, des grandes tables avec des grands tiroirs, les tiroirs qui font de la largeur de la table. Donc c'est vraiment top quand on est créatif parce qu'on a plein de choses à ranger dedans. Et du coup, voilà, tout mon matériel de bijoux tient dedans et c'est vraiment top, c'est pratique surtout. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais travailler donc sur la création de nouveaux bijoux en tissage macramé avec des perles naturelles. On va voir ce que je choisis et des plumes. On va tenter ça. Voilà ce que ça donne.
des petites boucles d'oreilles un petit peu très ethniques, très bohème, un petit peu indienne, comme les Indiens d'Amérique. Franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment sympa. Je vais les essayer, comme ça je vais vous montrer. Et voilà ce que ça donne sur moi. Voilà. Ah ouais, c'est sympa. Ah oui, j'adore. Alors, c'est pas souvent que j'adore ce que je fais. Mais j'avoue que ces derniers temps, c'est vraiment les créations que je souhaitais faire depuis quelques années. Et puis, bah, cette année, comme j'expliquais souvent, de faire des choses que je ne faisais pas. Avec cette petite création que nous terminons le tout premier vlog de la chaîne de l'atelier Fanny et César, j'espère que cela t'a plu de passer quelques jours en ma compagnie. Si tu le souhaites, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt pour un prochain vlog. Salut!